Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau haul nose. Alors, avant de commencer ce petit haul, avec quand même de très jolies pépites, eh bien je vous propose de faire un petit tour dans les différents noses où je me rends pour trouver justement ces petites pépites. Allez, on se retrouve tout de suite après, c'est parti. Et voilà, j'espère que ce tour du magasin vous aura fait plaisir. Maintenant, on passe au haul. Alors, par quoi je vais commencer? C'est un système télescopique portable de capture d'image. Rehaussez vos contenus, transformez la banalité en singularité et différenciez votre fil Instagram. Prenez de la hauteur par rapport à la masse ou retournez le mi-shot vers vous et vos amis pour capturer ce moment. Voilà, le folder 2.0 maintient votre appareil fermement sans l'écraser. Plus encore, le mi-shot se replie dans une taille de poche permettant de le ranger n'importe où, où il ne vous manquera donc jamais. Voilà, donc 1,49€. Voilà, je trouvais que ça valait vachement le coup. Et j'ai pris également le télescopique pôle, mais ça c'est pour appareil photo. Est-ce qu'il y a encore le prix dessus? Oui, à 1,99€. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors, j'ai pris au rayon cosmétique de chez Cosmolive, le Natural Soap, donc savon au safran. Voilà, qui se présente comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Il revitalise la peau et assure le renouvellement cellulaire. Voilà, ça peut aider à résoudre des problèmes tels que démangeaisons ou rougeurs, ce qui n'est pas forcément mon cas, mais en tout cas il rafraîchit et illumine la peau. Je crois que c'est fabriqué en Turquie. Oui, c'est ça, made in Turkey. J'ai trouvé la tablette chocolat sel et caramel d'Islande.
Ingrédients: chocolat noir, sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, vanille bourbon, matière sèche de cacao, caramel, beurre concentré, sel, arôme naturel, voilà, lait de soja, amandes, noisettes et blé, chocolat, sel et caramel d'Islande. Voilà. Et ça coûte, ouais, ça coûte 50 centimes. Allez, encore un truc qu'on a hâte de tester ici. Toujours dans le rayon confiserie, chocolat, le turon, donc le nougat, à la cannelle de Ceylan, muscade, le carrot cake, et du coup, bah, avec normalement de la carotte. Moi, j'adore le carrot cake. Donc, le nougat, j'aime quand il est mou, pas quand il est dur. Donc, bah, ça, c'est parfait. Hein. Gâteau au fromage, nougat à la cannelle et muscade. Alors, qu'est-ce qu'on nous met dedans? Arôme naturel de vanille, couverture au chocolat au lait, poudre de lait, crème de écrémée, pâte de cacao, lait entier en poudre, arôme naturel de vanille, huile de tournesol, lait entier en poudre, poudre de lait écrémée, sucre caramélisé, poudre de carotte, arôme naturel de vanille, extrait de carotte, caramel croquant, cannelle, muscade, peut contenir des traces d'œufs et d'autres fruits secs avec coque. Bon, ben voilà. Et c'est fabriqué en Espagne. En tout cas, à voir comme ça, ça m'a donné vachement envie, surtout quand j'ai vu ça là. Donc, ben je goûterai ça et puis je vous dirai ça. Toujours rayon alimentaire, j'ai hâte de vraiment de tester, ce sont des thés et infusions de la marque Plantami, douceur de Chine. Alors j'en ai pris deux, ils coûtent chacun 99 centimes au lieu de 9,90 €. J'ai pris le douceur de Chine thé vert au jasmin, ainsi que le douceur du verger infusion, donc 99 centimes comme je vous le disais, au lieu de 9,90 €. Voilà, pour celui-ci, hein, c'est thé vert, fleur de jasmin. La fleur de jasmin donne à ce thé un arôme floral et léger. Ce thé peut être dégusté à tout moment de la journée. C'est fabriqué au Maroc. Et puis celui-ci, églantier, feuilles d'oranger, citronnelle, hibiscus blanc, gingembre, réglisse, écorce d'orange, écorce de pamplemousse, morceaux de mangue, clous de girofle, association de fruits et de plantes aux saveurs acidulées et gourmandes, à déguster pareil à tout moment de la journée. C'est également produit au Maroc. Voilà. Ils sont valables jusqu'en mai 2022. Non, franchement, ça me disait bien de goûter. Il n'y avait que ces deux saveurs, hein. Sinon, s'il y avait eu d'autres saveurs, je crois que je les aurais prises. Donc voilà, c'est du thé en fusion en vrac. Non, mais regardez-moi. C'est pas trop mignon. C'est pas trop mignon, cette petite trousse que j'ai achetée pour ma petite louloute de la marque Santoro à 3,99 €. Elle est trop, trop mignonne. Trop mignonne. Trop mignonne. Alors, si je l'ouvre... Ouais, ça fait... Ouais. Voilà comment elle se présente à l'intérieur. Elle est entièrement doublée. Ah oui, puis j'ai acheté en même temps... Du coup, il y avait des petits mouchoirs en papier dans une petite pochette à 59 centimes. Je trouvais ça mignon, pour transporter ces petits mouchoirs en papier. Et du coup, je lui ai mis également dans la petite pochette. Non, franchement, c'est... c'est adorable. Moi, je craque. Hein. Je craque pour cette petite pochette Santoro. Je vous avais parlé lors de mon dernier haul des parfums en stick de chez Poppies Solid Fragrance, des parfums effectivement solides, hommage à Gabriel celui-ci. Alors celui-là, c'est
pivoine, cèdre, cristaux d'Elémie, cuir de Russie. Donc, ils sont à 99€. Je suis allée sur leur site. On peut retrouver ces sticks qui coûtent normalement aux alentours de 15€. Donc, bah, ça vaut forcément vachement le coup. Voilà, c'est trop mignon, franchement. Voilà comment ils se présentent. Et puis, vous avez ensuite, voilà, le parfum stick avec ici l'opercule de protection. Ça sent vraiment très, très bon. Donc là, hommage à Gabriel. Vous avez le pool de luxe. Alors, celui-ci, c'est framboise et vanille. Donc, un petit peu plus fruité, sucré. Et enfin, j'en ai trouvé un troisième. Jeanne Voyage. Et celui-ci, c'est iris de Florence, muscade de Java, bergamote de Sicile. Voilà. Non, franchement, j'adore ces petits parfums. Si vous les trouvez à 99 centimes, honnêtement, allez-y. Ils sont très, très bien. Alors, j'ai trouvé également à 99 centimes des lip balm. Donc, pour des baumes pour les lèvres. Il y avait plusieurs parfums. Il y en avait un au citron, d'ailleurs, que j'ai pas pris. Il y avait aussi à la fraise. J'ai pas pris non plus. Moi, j'ai pris donc le roseberry, voilà, oil jojoba, huile de jojoba et vitamine E. Donc, j'ai pris celui-ci. J'ai pris pour ma petite louloute celui à la noix de coco. Et puis j'ai pris également celui à la pastèque pour moi. Voilà, donc 99 centimes. Je vais en ouvrir un pour voir à quoi ça ressemble. Ça me donnait envie, je trouvais ça trop mignon. En termes de packaging, j'ai trouvé ça trop sympa. Alors, est-ce que je vais réussir ? Oui. À l'ouvrir, c'est parti. Donc ça se présente. Okay. Donc c'est comme ça, voilà, balmy. Et voilà, en forme de pyramide à l'intérieur. Ça sent super bon. J'aime beaucoup. Donc ça, je trouve ça pratique dans le sac. Faudra voir après si ça hydrate bien, mais bon, ça a l'air quand même d'être bien hydratant. Hâte de le tester. On continue au rayon soin. J'ai trouvé le soft démaquillage. Gants démaquillants de la marque Calypso à 1,49€. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Est-ce qu'il y a un truc écrit en français ? Calypso Soft Démaquillage est un gant microfibre doux qui permet de nettoyer et d'enlever le maquillage juste avec de l'eau. Pour l'utiliser, passez votre gant sous l'eau tiède et enlevez votre maquillage en faisant des mouvements circulaires. Rincez votre gant sous l'eau à l'aide d'un savon doux après chaque utilisation. Ne pas utiliser d'adoucissant. Voilà, donc moi j'adore les petits gants comme ça, démaquillants, j'en ai plusieurs pour pouvoir en utiliser un par jour. Et du coup, celui-là je vais l'ouvrir et oui, c'est bien ce qu'il semblait. Du coup, à l'intérieur, vous en avez deux. Voilà, c'est pratique comme ça. Soit vous prenez les deux, voilà, pour vous démaquiller, soit vous n'en prenez qu'un. Tout dépend effectivement, c'est super doux. Comment vous voulez les utiliser, mais c'est super doux, super agréable, j'aime beaucoup, beaucoup. Ça, c'est le must-have à avoir de toute façon dans sa salle de bain. J'ai trouvé de la marque Moldeo, balance de cuisine électronique au gramme près, hein, attention, hein, maximum 5 kg en verre trempé. Donc c'est déjà l'emballage comme ça qui a attiré mon attention. Je ne pensais pas que c'était forcément une balance de cuisine. Et puis, donc ça a attiré mon attention. Elle est à 4,99€. Les piles ne sont pas fournies hein, à l'intérieur. On vous met que les piles sont fournies, mais absolument pas. Ce n'est pas fourni. Et elle se présente comme ceci. Donc il y avait plusieurs modèles. Voilà, moi j'ai pris la petite bleue. Voilà, en galet. Je vais me régaler. Ok.
Voilà. Sympa. Et avec effectivement, voilà, de quoi mettre les piles derrière. Ah, elle est trop mignonne, je n'ai pas de balance de cuisine. Donc ben voilà, c'est parfait à ce prix-là. Il ne faut pas s'en priver. Maintenant, on passe au rayon vêtements. Et vous avez remarqué, ça fait partie de mon précédent haul, je crois, ou du haul d'avant, je ne sais même plus. J'en fais tellement, c'est vrai que j'y vais tellement souvent. C'est mon pull en mohair, kaki, super doux, acheté 11 euros au lieu de 80. Je suis super, super contente. Il est super agréable. Voilà, fabriqué en Italie. J'aime beaucoup. J'ai acheté 100% lin pour ma fille, une robe pour cet été, qui se présente comme ça, qui est vraiment, elle est superbe. Elle est vraiment superbe, voilà, avec les petites bretelles. Ici, voici voilà le devant. Vraiment très très jolie, toute brodée comme ça, adorable. Et puis la robe ensuite est comme ça, 100% lin. Bien évidemment, elle est entièrement doublée. Et ben voilà, je la trouve juste magnifique, magnifique. Et je l'ai achetée 12,99 €. Voilà, au lieu de... Là, vous avez les prix d'origine ici. Donc 89 euros et 135 dollars. Donc franchement, c'est super joli. Donc ça allait de la taille 0, vous aviez plusieurs tailles, donc de la taille S à la taille XXL. Bon, moi je l'ai prise pour ma fille, donc forcément c'est une taille S. Mais voilà, super, super joli. Et derrière, c'est comme ceci. Moi ouais, j'ai franchement, elle est vraiment magnifique. Magnifique. À ce prix-là, 100% lin. Ça vaut vachement le coup, hein. Non, mais il n'y a quand même pas à dire. Nose, c'est magique. Et pour moi, eh bien, j'ai craqué pour ce très beau chemisier fabriqué en Italie, qui est comme ça. Je le trouve juste superbe. Superbe, superbe. Alors ça fait très businesswoman, hein, mettre avec une jupe droite quand on va travailler, ou avec un jean et des talons si on veut un autre esprit. Mais alors franchement, moi je la trouve trop belle. Avec le nœud ici sur le côté, et puis les boutons aussi sur le côté. Non, franchement, j'ai craqué pour la couleur, pour la forme, le petit col. Bah, puis j'ai craqué pour le prix, hein, forcément. Je l'ai acheté 11,99 €. Alors là, il y a un prix, voilà, 79. Est-ce que c'est 79 € ou voilà, est-ce que c'est, je ne sais pas. Ça m'a pas l'air d'être écrit en lire italienne, donc ça a l'air d'être de l'euro. Mais bon, quand bien même, je trouve que à 11,99 €, elle est super jolie, super jolie. Moi, je l'adore. Voilà pour mes derniers achats. Non, si ce haul vous a plu, eh bien écoutez, je vous invite à liker cette vidéo, ce serait sympa. Figurez-vous que 70% des personnes qui regardent mes vidéos régulièrement ne sont pas abonnées à ma chaîne. Non, mais c'est quoi ce bazar? Mais c'est quoi ce bazar? Allez, allez, abonnez-vous. On passe un moment sympa entre nous. Puis si vous êtes nos addicts, vous devez forcément me suivre parce que plus nos addicts que moi, je crois qu'on meurt. Bon, d'ici là, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Portez-vous bien et ne vous laissez pas tomber. Allez, salut!